Vai, vai com o bumbum tam tam. Vem com o bumbum tam tam tam. Vai, mexe o bumbum tam tam. Vem, desce o bumbum tam tam tam. Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Mais voilà, en fait, je vous explique, j'ai eu un petit problème avant. En fait, cette vidéo, je l'avais tournée il y a 5 minutes. En fait, je vous explique, c'est une petite vidéo Fortnite. Je voulais vous faire plaisir. En fait, j'avais pas le pass de combat complet. Voilà, en fait, je l'avais pas complet. J'avais pas tout acheté. Et je me suis dit, pourquoi pas en faire une vidéo, tout vous acheter, jusqu'au 100, quoi, jusqu'au dernier bonhomme, jusqu'au faucheur, pour que, comme ça, vous voyez tout ce qu'il y a un petit peu dans ce pass de combat. Mais en fait, quand j'ai enregistré, ça m'a enregistré mon intro, mais ça n'a pas enregistré le moment où c'est que j'ai tout acheté, j'ai pas compris pourquoi. Donc, je recommence cette petite vidéo, je suis vraiment désolé, l'équipe, du coup, je vous montrerai tout ce qu'il y a dans ce pass de combat. 3, mais je ne l'achèterai pas avec vous, je voulais vous montrer, parce que j'ai pété les plans, je me suis dit, allez, pourquoi pas tout acheter comme ça directement, au lieu d'attendre, voilà, de gagner les défis, de gagner les tous les petits trucs, tout ça, parce que c'est vraiment long, et moi, je suis pas un grand geeker, des fois, j'arrive pas trop un peu à faire les défis, j'arrive pas à... Bon, j'arrive maintenant à faire des top 1 en solo, donc ça va. Mais c'est vraiment long, comme vous voyez sur le pass de combat 2, j'ai même pas eu le. J'ai pas eu le temps, du moins, est-ce que j'avais commencé un petit peu trop tard, j'ai pas eu le temps d'avoir le. Comment il s'appelle, le bonhomme noir, là, je sais plus, le chevalier noir. Voilà. Donc là, je me suis dit, pourquoi pas, en fait, tout acheter pour quand je fais des lives avec vous. Au moins, j'ai tout. Tout ce qu'il faut, tous les bonhommes, surtout j'ai kiffé les danses qu'il y avait dans ce pass de combat, là, la danse de robot, toutes les autres danses. J'ai bien kiffé qu'on pouvait changer les ailes et tout, sur les bonhommes et tout, je vais vous montrer ça en direct. À toute l'équipe et désolé de ne pas avoir acheté ce pass de combat avec vous. Donc voilà l'équipe, on est là. En fait, c'est là que ça a pas le truc qu'il y a, c'est que tout à l'heure en fait dans ma vidéo, c'est ça que ça a pas, ça m'a mis endommagé fichier endommagé. J'ai pas trop compris pourquoi les gars. En fait, pourquoi ça m'avait marqué ça fichier endommagé. Donc j'espère que là il y a tout qui va marcher. Donc comme je vous disais, j'ai acheté ce pass de combat complet. Alors comme vous savez, hein, moi je l'avais vraiment pas au début, hein, je l'avais pas. Regardez, moi j'en étais, je crois que j'en étais, je crois que vous le voyez là-haut, niveau 27. Hein, je crois que si on va au salon, niveau 27, palier, ah ouais, ils mettent pas les paliers. Non, parce que comme je les ai achetés, ils mettent pas les paliers, mais j'étais au palier, je crois 40, je crois, un truc comme ça. Non, même pas, je vous dis des bêtises, je crois que j'étais au palier, je vais vous dire quand j'ai eu le bonbon. Voilà, on va repartir, moi j'en étais, voilà, là. Voilà, j'avais eu ça, l'arc-en-ciel. Donc j'étais au palier 20. Et je me suis dit, ben pourquoi pas en fait, pour faire des lives, des trucs comme ça, pourquoi pas acheter tous les paliers, parce que j'ai vu qu'il y avait des trucs vraiment magnifiques. Celui-là, il est magnifique. Celui-là, là. Celui-là, il est vraiment magnifique, le roi de la rouille. Après, il y a quoi qui est magnifique? La danse, là, celle-là, elle est magnifique. J'ai vraiment kiffé. T'as perdu, et moi, j'ai gagné. Voilà, après, il y avait ça qui descendait comme ça. Donc, je vais vous montrer. Je suis désolé, les gars. Du coup, en fait, je vous explique. Si vous voulez acheter les 100 paliers... Il vous faut à peu près, ouais, 100 euros. C'est ça, ils mettent à peu près le palier à 1 euro. 1 euro, c'est 150 V-Bucks, je crois, le palier. Donc, vous comptez, il vous faut à peu près 10 000 V-Bucks, voire un petit peu plus. Mais comme vous passez un petit peu des paliers au début, ils sont faciles à passer. Ça sert à rien de les acheter. Hein. Le 1, le 2, on va dire jusqu'au 10, ça sert à rien d'acheter. Hein. Je vous dis, moi, déjà en jouant pas beaucoup, j'ai réussi à arriver à... au niveau, je vous dis, au palier, j'étais là, au palier 15. Ouais, non, au palier 20. J'étais au 20 en jouant pas souvent, comme vous pouvez voir. Hein. Vous pouvez regarder dans mes lives, tout ça, je joue vraiment pas souvent, moi. Et d'ailleurs, dans mes lives, vous regardez, hein, j'étais là, hein, j'étais pas plus loin. Donc, je me suis dit, pourquoi pas tout acheter pour faire des bons lives. Donc, on va aller dans le casier, du coup, je suis désolé. Donc, voilà ce que ça vous donne. Ça vous donne lui. Lui, que je trouve magnifique. Elle. Lui. Et elle. Voilà dans les personnages ce que ça vous donne. Elle, lui, le faucheur, il est magnifique. Celui-là, le voyageur noir. L'agent d'élite, oh les filles. Et lui, le roi de la rouille. Et l'exploratrice lunaire. Voilà ce que ça vous donne pour les personnages. Après, ce qui est bien maintenant, c'est que regardez ce qu'on peut faire. On peut le changer, on peut lui mettre un sac à dos. On peut tout faire comme on veut. Lui mettre du bouclier, tout ce que tu veux. C'est pour ça que j'ai voulu acheter. Donc moi, je vais lui mettre les ailes. J'ai pris lui, le faucheur, les ailes. Après, voilà, vous avez laquelle on gagne, je crois. On gagne, je sais plus laquelle on gagne. Celle-là, je crois, je l'avais pas. Celle-là. Et celle-là, je crois. Donc nous, on va lui mettre celui-là. Voilà, avec vous. Après, les planeurs, vous gagnez alors. Lequel on gagne? Moi, j'avais acheté celui-là. Je l'avais acheté.
Lequel on gagne? Celui-là, je l'avais gagné. Voilà. Celui-là, je l'avais pas. Celui-là, je l'avais pas. Celui-là, je ne l'avais pas. Donc voilà ce qu'on gagne. Vous gagnez avec le pass de combat 3, je crois que c'est celui-là. Celui-là. Et celui-là, l'équipe. Nous, on va mettre celui-là. Je le trouve marrant avec son petit hamburger là, qui tire la langue, un petit peu militaire. Je trouve que ça lui ira bien avec son costard. Donc, on va mettre ça. Après, qu'est-ce que vous gagnez? C'est ça que j'ai beaucoup kiffé. Voilà, là, j'ai kiffé. En fait, moi, j'avais celui-là, l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel. Et là, ça vous donne les bulles. Allez, les petites bulles. Quand vous descendez, ça vous fait des bulles et à vous comme un poisson. Sinon, ça, c'est pas mal aussi. Les petites étoiles filantes. Plein d'étoiles. Sur les mains et les pieds, ça en violet. Lui, je l'ai kiffé. Les flammes. Ça lui va trop bien à lui. Je trouve les flammes, ça va trop bien. Après, vous avez sinon Outre-mer. Un peu, ça fait la mer, quoi, je pense. Hein. Voilà, bleu. Donc voilà l'équipe, on va lui mettre comme ça. Et après, vous avez ça aussi, vous gagnez des trucs comme ça. Alors celui-là, je l'avais pas, vous gagnez celui-là. Vous gagnez celui-là, celui-là, celui-là. Bah, tous, je crois, vous gagnez tous. Hein. Vous les gagnez tous. Moi, celui que j'ai bien kiffé, c'est. Ça, c'est la licorne pour ma belle-sœur. C'est pour toi, ça, ma petite belle-sœur. Elle kiffe bien les licornes, Lia. Allez, je vais mettre celui-là, j'aime bien. Et après, vous avez les danses. Les danses, elles sont terribles. Donc, les danses. Alors, celle-là, on l'avait. Voilà, celle-là, vous la gagnez. Regardez, olé, il fait pas du hip-hop, lui. Olé. Bon, celle-là, on l'avait. Celle-là, je la kiffe. Le petit robot, les gars. Donc, voilà, pour 100 euros, vous gagnez ça. Hein. C'est pas magnifique, quoi. C'est pas extraordinaire. Mais c'est mieux que tout acheter, des fois. Vous imaginez, il vous met un pass de combat quand même à acheter. Et après, vous aurez encore des personnages à acheter. Encore des. Voilà, il y a celle-là aussi comme danse. Nouvelle. Et celle-là. Il est trop marrant. Donc, nous, on a mis lesquelles, nous? Nous, on a mis celle-là. 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 Ah, on va enlever celle-là et on va mettre le breakdance. Hop là. Voilà. Donc, là, il y a tout qui est équipé, l'équipe. Donc voilà pour ce passe de combat, je vais vous remontrer un petit peu qu'est-ce qu'on gagne. Hein. Voilà, du début à la fin. Je suis vraiment désolé, dans la première vidéo ça a chié. J'espère que là ça va pas chier non plus parce que j'en ai vraiment marre. Je sais pas pourquoi ça m'a mis problème. Fichier, je sais pas quoi, incompatible, je sais pas ce qu'ils m'ont dit. Donc voilà, hein, comme je vous disais, bon, vous gagnez ça, des XP, des petits trucs pour faire. Là voilà, à partir du 20, vous gagnez ça. Là vous gagnez le sac à dos noir. Là vous gagnez le roi de la rouille. La petite danse niveau 31. Imaginez le temps qu'il faut quand même. Au niveau 36, vous gagnez l'outre-mer. Les trucs bleus. Voilà. Le planeur carbone. Ah, celui-là aussi, on l'a gagné en fait. Le planeur carbone. Voilà. Au 44, vous gagnez la licorne. Ah, cette pioche au niveau 46. C'est le petit sac à dos 47. 50, les étoiles. 55, l'exploratrice lunaire. Et après, c'est tout ce qui est XP, V-Buck, les petites cartes, les XP. Ah, le meilleur pote, c'est celui-là. Alors, c'est qui ton meilleur pote, hein? Niveau 63. Traînée de condensation. Ils appellent ça les petites bulles. Niveau 68. 70, vous avez le voyageur noir. Vous avez son sac à dos, voyageur noir, au 71. Bon, après, vous avez encore ces petits trucs, une petite carte, 76. Vous avez double fonction, l'outil de collection avec le crayon au niveau 79. Après, vous avez les flammes au 84. Celles-là, je les trouve magnifiques. Regardez quand il doit descendre, ça doit être magnifique. Voilà, on va vous faire des bons lives. L'agent d'élite au niveau 87. Après, voilà, tout ça, la carte là. 92. Le robot au 95, c'est presque à la fin. Presque à la fin des fins. Et l'agent et le faucheur 100. Donc voilà l'équipe, je vous ai un petit peu tout montré sur ce pass de combat. Si vous voulez, je vous montre un peu mon classement, si vous voulez, dans mon profil. Donc voilà, en solo, nous avons 2 victoires. 12 fois dans les top 10, 40 fois dans les top 25. Tout seul, comme je vous disais, je joue pas souvent. Voilà, temps de jeu, 20 heures en tout. Hop, après on va regarder en duo. J'ai fait 2 victoires top 1, 7 fois dans le top 5. En duo, 17 fois dans le top 12. En duo, sachez que je joue pas souvent, c'est quand je suis avec des abonnés, tout ça, avec vous. Quand je joue, mais c'est souvent en section. Regardez, en section, on a 23 victoires, 60 fois dans le top 3, 117 fois dans le top 6. Et on a 59 heures de jeu au total.
Donc voilà l'équipe, c'était pour vous montrer un petit peu tout ce passe de combat, pour vous montrer tout ce que vous pouvez gagner, pour vous faire plaisir. Voilà, je suis désolé, vous n'avez pas eu le moment où c'est cliquer sur le bouton carré, ta, où c'est que ça a tout pris, c'était dans la vidéo d'avant, je suis dégoûté. Ça a vu que c'était bloqué, mais je me suis dit, bon, il faut quand même que je leur refasse cette vidéo, on va pas laisser ça comme ça. Il va falloir que je leur montre un petit peu tout ce qu'il y a dans ce passe de combat, même si je pense que vous l'avez déjà vu, hein, même si vous le voyez quand vous allez dessus. Mais comme ça, quand je ferai des lives, ça sera un petit peu plus propre, un petit peu, ça sera mieux. Vous pourrez me dire de mettre des bonhommes, ce que vous voulez, des flammes, pas des flammes, ça fera un petit peu mieux quand je joue avec vous. Donc l'équipe, sur ce, n'hésitez pas à partager, commenter, liker pour plus de vidéos, l'équipe. Je vous laisse. Ciao l'équipe, n'oubliez pas le pouce bleu.